Bonjour à tous. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous possédons de plutôt bonnes conditions de travail au Québec. Mais, ce n'a pas toujours été comme cela. Que s'est-il passé pour en arriver à aujourd'hui? On nomme cet événement le mouvement syndical. Alors, commençons par le commencement. Les apparitions de preuves de mécontentement apparaissent au début du 19e siècle à cause des conditions de travail horribles. Ils sont insatisfaits, puisque le salaire est très bas, les lieux de travail sont mal propres, les journées de travail sont de 14 à 16 heures et la machinerie est dangereuse. Vers les années 1860, les Chevaliers du Travail, qui regroupent 40 syndicats, les organisations syndicales américaines et d'autres syndicats industriels prennent de l'ampleur au Québec et piquent la curiosité des gens pour finalement créer le mouvement syndical. En 1872, le syndicalisme se voit enjoué de pouvoir pratiquer leurs services grâce à la loi, adoptée par le Parlement qui permet également la grève. Malheureusement, les employeurs résistent. C'est alors qu'en 1930, le tiers des Québécois sont syndiqués. Maintenant, ils n'ont plus à se cacher pour de bon. Mais quel genre de travailleurs se faisaient syndiquer? En fait, c'était principalement des employés de chemin de fer, ceux de la construction, et finalement les ouvriers expérimentés de l'industrie manufacturière. En plus, le clergé vit le mouvement et décida de le rejoindre en créant des syndicats catholiques. Pas extraordinaire à leur début, mais extrêmement pratique plus tard. Un bon moyen de mettre la pression au gouvernement et au patron était la grève. Par contre, il y en a eu un très grand nombre. Par exemple, la grève de 1937, lorsque dans toute la province, 5000 travailleurs et travailleuses du vêtement ont cessé de travailler jusqu'à obtention de ce qu'ils voulaient. Ou bien encore la grève d'Asbestos, où 2000 mineurs de ce coin et 3000 de Thetford Mines avec la CTCC, Confédération des travailleurs catholiques du Canada, contre trois grosses compagnies minières. Saviez-vous que sans les femmes, nous n'aurions peut-être pas réussi à nous rendre où nous sommes aujourd'hui? En effet, plusieurs femmes ont contribué au mouvement syndical par leurs propres moyens. On retrouve des grands noms comme Madeleine Parent, Léa Robach et bien sûr Laure Gaudreau. Il y a également des milliers d'autres femmes qui sont révoltées sans devenir de grands noms. Elles ont participé aux grèves, comme celle des alimentières de Hull en 1924, la grève des Midinettes en 1937, Dominion Textile en 1946 et bien sûr Dupuis Frères en 1952, etc. Par contre, il y a Laure Gaudreau qui, elle, par exemple, créa l'Association catholique des institutrices rurales en 1936, qui est aujourd'hui la CSQ, Centrale des syndicats du Québec. En 1944, Adélard Godbout, premier ministre provincial libéral, accepta une grande demande syndicale en appliquant la loi sur les relations ouvrières. Celle-ci ne laisse pas le choix à un employeur d'avoir 60% de ses travailleurs syndiqués. Quelques temps plus tard, Maurice Duplessis, étrange premier ministre, proteste encore contre les syndicats. En 1964, le gouvernement Lesage met de l'avant le projet de loi 54. Celui-ci réunit toutes les lois du travail en un seul code du travail. La FTQ ne se laissera pas marcher sur les pieds et demandera de l'aide pour acheter d'autres droits. Ainsi, le gouvernement sera menacé d'une grève générale et inclura de nouveau la législation de la syndicalisation et de la grève. Finalement, le mouvement syndical connut plusieurs difficultés ainsi que beaucoup de péripéties. Mais aujourd'hui, on peut en être fier de tous ces efforts. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser.